concert de l'accord Pélagos, on va commencer par dévoiler l'œuvre et puis laisser ensuite la parole à Mr. l'artiste. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, c'est vrai. Hein. Et ceux qui ont participé, venez nous entendre. Bonjour. Merci déjà à tous d'avoir participé à cette œuvre. Le visuel est quelque chose de très symbolique. L'idée, c'est que Ramon, Pélagos, tous ces acteurs-là sont très importants parce qu'ils ont décidé d'ouvrir une fenêtre sur la Méditerranée pour qu'on s'y consacre, entre guillemets, un petit peu plus et qu'on la protège. Donc, si vous voulez bien. Ah, bien sûr. Costanza, je pense que c'est vous qui allez venir dévoiler cette vieille hein? Avec l'anglais. L'estrade est haute. Alors, thanks for everybody for being a part of that project. You're the window of the Mediterranean. Thanks for that. Thank you. If you want to follow the next project, please go on Instagram, follow Mr. Wanty's page, and you will see everything what we are cooking at the moment for the future. Thank you very much. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 novembre 1999? Comment? Un accord a été signé. Oui. Un accord qui va fêter ses 25 ans, du coup, le 25 novembre 2024. Et c'est de ça qu'on va parler, même avec un petit livre, de cette célébration qui se prépare. Merci, Cosmo. Si. Alors, est-ce qu'il y a la télécommande pour les... Ah, merci beaucoup. Merci. Dunque, quest'anno l'accordo festeggia i suoi 25 anni dalla data della firma delle tre parti contrattanti dell'accordo Pérez. Quindi per questa occasione abbiamo creato un nuovo logo che sarà utilizzato nel corso di tutto il 2025 che vedete allo schermo in questo momento. E oltre a questo ci saranno tutta una serie di eventi che saranno organizzati rispetto a quelli che sono i lavori dell'accordo Pélagos e qui donc sono ponctués par des actions de communication et de sensibilisation qui font mention et référence aux célébrations du 25e anniversaire de l'accord Pélagos. À l'écran, donc, vous voyez les événements majeurs qui vont être organisés à partir du mois prochain. L'atelier technique des présentations de projets financés par l'accord, donc ce sont les projets technico-scientifiques, les renouvellements du statut d'ASPIM du sanctuaire Pélagos, un atelier pour les gestionnaires des aires marines protégées et des parcs nationaux du sanctuaire Pélagos. Donc, il s'agit d'un atelier qui sera organisé entre le mois de février et le mois de mars
et qui sera a pour but de d'harmoniser les mesures de gestion dans les aires marines protégées parc national du sanctuaire, ainsi que de promouvoir des actions conjointes en cas d'observation du phoque moine qui est dans les grandes zones du sanctuaire. Puis, nous avons donc le comité scientifique et technique, le 17e comité scientifique et technique qui se tiendra les 15 et les 16 mai prochain. Et puis, la participation à la conférence des Nations Unies sur les océans. Cela doit toujours être confirmé si l'accord pourra fêter ses 25 ans dans le cadre de cet grand événement qui se tiendra à Nice en juin 2025. Et enfin, la réunion de parties à l'accord qui se tiendra à Monaco. Actuellement, nous sommes sous présidence française et lors de la 10e réunion de parti, donc ce sera la Principauté de Monaco qui prendra la présidence. Donc, tous ces événements-là se tiendront l'année prochaine ou en fin d'année et seront, je le répète, ponctués par des actions de communication que nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui, mais que seront communiquées par la suite. Donc, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, à nous suivre sur les sites Internet, afin qu'on puisse partager avec vous les actions que nous souhaitons mettre en place et les rediffuser, les distribuer, promouvoir selon les activités justement, et les liens que nous sommes en train, dont nous avons discuté aujourd'hui au sein de la table ronde avec les ambassadeurs fédéraux aussi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette journée. On arrive à ce moment de clôture. Et avant de laisser la parole à nos secrétaires exécutifs, je les invite à me rejoindre. Costanza, Florent, et puis aussi Clara, Viola, avant de la laisser la parole. Il paraît que le monde n'est que le reflet de notre regard sur ce monde. Aujourd'hui, on a énormément d'interventions positives pour faire émerger encore plus fort la puissance des accords pélago-cérémoniaux. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une ovation à ceux qui ont créé cette journée, qui se sont battus pour qu'elle ait lieu, pour cette coopération plus forte. Voilà, donc un petit temps pour les remercier, les applaudir en présentant tous les amendements. Merci à vous. Merci à vous. Laisse la parole à Marc. Allora, non voglio semplicemente brevemente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo evento oggi, che ha un'importanza sotto tanti punti di vista per l'accordo Belarus, il ruolo, diciamo, di questa commemorazione che è stata iniziata con l'accordo Ramos, quindi le parti dell'accordo Belarus vengono in particolar modo, grazie agli ambasciatori Belarus per la loro presenza. Ringrazio le aree marine protette, rappresentanti dei comuni, firmatari della carta di partenariato. Ringrazio ovviamente i partner e tutti voi. Ecco. Voglio ringraziare questo, sicuramente anche le parti dell'accordo per il loro diciamo effettiva e ora la collaborazione che sono state tutte le decisioni che sono prese tra le coppie che sono parte del vero e sono adottate in maniera appunto le parti di Bocco Monica Weiss ad esempio di cooperazione che si può dire è solo esempio di esordio e donc a passaggio je souhaite remercier l'équipe du secrétariat, Viola, Milena, parce que voilà, ils ont été extra en général dans leur travail, mais aussi dans le monde de l'organisation de ces ateliers, les interprètes, les Sciences Po, bien sûr, pour nous avoir aidés ici.
Merci, Lofanza. En tant que secrétaire député de l'accord d'Amoy, je m'associe bien entendu aux remerciements qui ont été partagés par Lofanza Fabi. Vous dire merci, merci à toutes et à tous. Je crois qu'on peut être collectivement fiers du travail qui a été accompli, puisque ce protocole d'entente, il est tout récent, il a été signé à la fin du mois de mars. Quelques mois plus tard, j'avais une réalisation très concrète d'ampleur. J'espère que la journée, en tout cas, vous a plu. Sachez qu'on a mis du cœur à l'ouvrage. Remercier aussi encore une fois l'ensemble des parties qui ont pris part à l'événement. Parce que derrière cet événement, au-delà des thématiques qui sont abordées et qui dressent, je crois, de belles perspectives de collaboration future entre les deux accords, il y a aussi le travail de fourmi par rapport à la logistique, par rapport à l'ensemble des aspects de cette organisation. Un merci encore appuyé à Clara et à Jola, chez Ramoge et Pélagos. Elle nous interpelle, notre technicien, au traiteur, au personnel de Transpo qui nous a beaucoup aidés. Merci à toutes et à tous. Merci à vous aussi, Sébastien, pour la modération de ces échanges. Et on espère vous revoir tous prochainement pour un nouvel événement Ramoge Pélagos. Et avant de clôturer définitivement cette journée, vous montrez peut-être le fruit du travail graphique qui a été réalisé par Jacopo. Je ne sais pas si c'est Jacopo qui est dans la salle ou s'il est parti. Je vais l'inviter à nous rejoindre. Oh, mais il a fait un vrai travail. Il m'a réalisé un grand travail de simplification gratuite et je vais lui laisser la parole pour dire deux mots sur ses travaux. Parlo in italiano perché viene più rapido. Grazie. Grazie a tutti, ho cercato di raccogliere insomma tutti i punti che sono venuti fuori sia dalle tavole di questa mattina, sia dalle relazioni di questa mattina, sia dalle tavole rotonde di oggi pomeriggio. Sicuramente manca qualcosa, sicuramente serviranno delle rifiniture ulteriori, però spero di aver raccolto insomma quelli che sono stati le idee proprio chiave principali della giornata. E queste sono le tavole rotonde di oggi pomeriggio, che chiaramente appunto sono ancora in divenire con alcuni degli spunti e raccolti, cercando di fare una sintesi, che però poi magari andranno ulteriormente arricchite. Merci à tous. Longue vie aux accords Ramoge, Pélagos à cette coopération. Et peut-être qu'un jour, on fera la fin de ces accords parce qu'on n'aura plus besoin, c'est finalement ce que je m'inquiète. Bonne soirée à tous. Au revoir.